Salut, c'est Brice. Aujourd'hui, on est parti pour un tuto low kick et quoi de mieux qu'un combattant pro. Aujourd'hui, je vous présente Alioune. Salut l'équipe, c'est le Jaguar. On est parti pour les low kicks. Avant de commencer, je vais laisser Alioune se présenter, mais je pense que vous le connaissez déjà. Ça va être votre professeur du jour. C'est parti. Salut l'équipe, Alioune Haï, le Jaguar, combattant professionnel en MMA. J'ai aussi pratiqué la boxe thaï, le K1 et la boxe française. Je touche un petit peu en grappling et j'y tue. Donc aujourd'hui, on est parti pour les low kicks. Ok l'équipe, ici. Numéro 1, je suis dans l'axe, je ne vais pas faire de détour, souvent utilisé en K1 ou en boxe thaï pour voir si la personne bloque ou pas. Et en même temps, ça me permet de ne pas prendre trop de risques. Je vais être en face de lui, je vais envoyer en ligne. D'accord? Le but, c'est de partir, de revenir le plus vite possible, mais je reste dans l'axe. Je me replace rapidement pour pouvoir, derrière, avoir mes appuis pour pouvoir boxer. Je suis reparti l'équipe, technique numéro 2, celle-là c'est celle que je préfère. Je suis ici face à mon adversaire, cette fois-ci je vais décaler ma jambe d'appui pour me permettre d'ouvrir les hanches et descendre sur ma jambe d'appui et balancer ma jambe comme une batte. Et ici me replacer. C'est un léger décalage en fait, dans mon décalage, je suis dans l'axe de mon adversaire, je sors légèrement de son axe pour permettre de descendre. Et en même temps, si lui m'envoie un coup à ce moment-là, et je peux bien casser les appuis. Ok l'équipe, on repart. Technique numéro 3. J'ai fait celle dans l'axe, celle où je sors sur le côté. Maintenant, je vais sortir de l'autre côté à l'opposé. Je suis ici face à mon adversaire. Je vais décaler ma jambe pour revenir et... D'accord? Je suis ici face à lui. Je décale pour l'emmener à se tourner et ici... Je vais casser sa jambe d'appui. Je remonte encore une fois. Décalage. Ok l'équipe, on repart pour une autre technique. Ici, je suis face à mon adversaire. Je vais faire comme si je balançais mon épaule arrière, mon bras arrière. D'accord? Je suis ici. Je prends l'habitude de faire cette rotation. Pourquoi? Parce que sur cette dernière technique, ça va nous aider. Je suis là. Oh, je fais la rotation. Une. Et deux. Je shoot. D'accord? Donc. En temps normal, vous pouvez de temps en temps envoyer gauche-droite et même sur votre droite, vous pouvez rentrer et ajouter pour casser la poule. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Sachez que là, ce que Alioune m'a mis, c'est même pas 10% de ce qu'il aura mis en puissance réelle. Donc il a vraiment été cool avec ma cuisse et cool dans les impacts, c'était vraiment pour vous apprendre. Pour ce qui est des tutos, tuto en ligne c'est bien, mais tuto en salle c'est mieux. Donc rejoignez Alioune dans sa salle. Salut l'équipe, merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez me retrouver à Obifight ou à Fightos à Ozoir et à Bry-sur-Marne. Et n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, Alioune Haï, le Jaguar. Yes l'équipe, je vous attends le 14 octobre au Cercle d'Hiver où je vais combattre pour une ceinture internationale face à un Brésilien, Samuel Paiva. Je compte sur vous, je vous attends nombreux. Le bonus, vous l'attendez tous. Allez, c'est parti quand tu veux.